commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. J'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum! L'effet papillon. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais? Ça me fait ça aussi. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici? Je commence à plus capter. Si t'as 1 million en trop, donne-le-moi et puis je m'en occupe. Puisque t'en parles... Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Hey, salut! Comment ça s'est passé? Un porteur aurait été le bienvenu, mais bon... Je peux tout avoir. Ouais, ça a été. Mais c'est un peu étrange quand même. Ça fait bizarre d'être de retour ici. Yo, yo, yo! Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi? Ouais, mec. Comment ça va? Je veux dire, je sais que ça doit être vraiment dur sans tes... Arrête. Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comme au bon vieux temps. Merde, saleté de truc. C'est gelé? Oui. Il y a peut-être d'autres entrées? Il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir, d'une façon ou d'une autre. Attends une seconde, tu veux dire entrée par effraction? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non? Ouais, tant que je te dénonce pas. Allez, je te suis l'artiste. Salut H. Salut Chris. Tu vas bien? Oui, sauf que j'ai un peu froid et que cet endroit me donne la chair de poule. C'est bizarre d'être de retour ici, hein? Ouais. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois? Hey, du calme, mec. Si tu te la fais pas, peut-être que Mike va s'en occuper. Tu veux bien arrêter? Relax. Je vérifiais seulement si tout marchait correctement là en bas. Ouais. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques. Toi et Ashley, enfin seuls. T'as fait le plus gros du travail, t'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. C'est mignon. Je sais pas. Mais comment tu peux ne pas savoir? Mais si ça devenait bizarre, et qu'elle ne voulait plus être mon amie si je tentais quelque chose. Tu m'as pas écouté ou quoi? Il faut te bouger, mec, sois un homme. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi, en sport? Tu sais où il faut grimper à la corde. Voilà. J'ai fait ça, moi? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. C'est quoi ça? Oula, un totem. What?
ça, c'est pas du tout rassurant. Un nouveau message. Nouveau message. Bonjour, Madame Washington. C'est le sergent Tate à nouveau. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous avons revu le dossier et il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Il a été libéré. Nous n'avons aucun recours légal pour limiter ses déplacements. Je sais que vous espériez autre chose, alors appelez-moi si vous souhaitez en savoir plus. Fin des messages. Ok. Ça mène ici. On s'est fermé. Le jeu des ombres est super angoissant. Oh putain! Merde! C'est quoi ce bordel? Oh! On est en train de geler sur place. Non, ça va, il l'a merci, pas merci, encore merci, 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 je serai là chaque semaine. Ah putain, c'était quoi cette merde? Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi? Est-ce que ça va? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé? T'inquiète pas, petit. Un de ces jours, tu seras grand. C'était pas drôle. Home sweet home. J'aurais pas vraiment dit ça, comme ça. Oh la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se les gèle un peu ici. Bon, bah je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah, personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police? Ça a été calme ici, dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête? Salut! Salut! Hey. Yo, mec. Ouais, vas-y, fais comme chez toi, mon pote. D'accord. Oh putain, c'est trop dégueu. Ah, attends, est-ce que t'essayes d'avaler sa langue, là? M. Ah, non, sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigrie de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau? Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. Tiens, on va provoquer. Tu mets vraiment tout le monde mal à l'aise, là, Jess. Quoi? T'es jaloux? Emily est trop frigide pour toi, c'est ça? Hé, hey, tu... t'exagères, écoute! Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau. 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galéreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes, quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner? Oh, chérie. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassis avec ses fesses. Mais t'es sérieuse? C'est quoi, là? T'insultes? Cette garce prend du crack ou quoi? Vas-y, on la provoque. Jessica, ferme-la un peu. Tu veux? Non! C'est plutôt toi qui devrais arrêter de fourrer ton sale nez dans les affaires des autres! Non, attends, c'est moi qui vais m'en occuper de tes affaires, tu vas voir. Ah! Oh, tu veux qu'on se mette sur la gueule? Parce que là, je suis prête! Et on se la donne, arrêtez la pouf. C'est pas pour ça qu'on est venu ici, ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non? Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais. Ouais, d'accord. Tu veux y aller? Tant qu'elle, elle n'y est pas. C'est au bout du chemin. Ouf.
Content que ce soit fini. Ouais. Alors, Josh, tu... Tu nous l'allumes, ce feu? Il est où, mon sac? Hein? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odéo. Matt, tu m'écoutes? Mais si, tu t'en souviens pas? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir. Eh ben, elle me posait des questions sur ma veste en cuir. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste? Matt, je veux mon sac. Oh merde, M, peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac? Bah... Alors? Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du téléphone. Putain, mais comment il s'écrase comme une merde, le mec? Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera? Ouais, beaucoup même. C'est un cochon aussi. Ok, allons-y. Ok, je vais prendre un bain. C'est le nid d'amour, le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. Oh, j'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Hé, hey, les stars du porno, vous allez avoir besoin de ça. Stars du porno? Je paierai cher pour voir ça. Charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord, c'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok. Tu veux l'inviter avec nous? Vraiment? Quoi? Non! Oh, la petite cochonne. Oh la pute. Ah, je crois que ce truc a besoin d'énergie. Josh a pas parlé d'un générateur dans le coin? Ah, une petite cabane, comme par hasard. Ah, c'est quoi ça? Oula, c'est un totem. J'aimerais bien que tu puisses générer un peu de motivation pour faire fonctionner ce putain. Putain, nous observe. Plutôt bien, hein? Ouais, vraiment. C'est... Oh, génial. Oh ouais! Je suis le DJ. Rue... De Anna Agnes. Ils auraient pu l'enlever? En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Être un peu qu'elle soit maintenant, je suis sûr qu'elles sont heureuses. Qu'en pense à elles? C'est une belle façon de voir les choses. C'est quoi ça? T'as entendu? J'ai entendu un truc. Ouais. Et du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec. Jess! Putain! Hé, hey, Jessica! Ouais? Ça va? Bordel, tu m'as foutu une de citrouille! Tu crois que j'ai pas eu peur, moi? Et tu t'es pas blessée au moins? À ce que je vois, j'ai toujours mes 7 membres sur moi. Ouais. Tu peux sortir? Je peux pas te dire. Je sais pas. Je vois rien du tout ici. Allez, on va jouer les héros. Ok, je viens te chercher. Ne bouge pas. Hé, hey, beau gosse. Tu m'aides à déplacer ce chariot? Ok. Aide-moi à le bouger, aide-moi à le bouger. Ok.
t'imaginais, Jemira, à l'unisson. Je pensais pas vraiment à ça. Pour la cabane, mon gars. Encore un totem, putain. Ça annonce quoi, celui-là? Je me demande qui était là. Waouh! Ce lieu est historique. Oh, comme à Lascaux. Ça doit remonter aux Indiens, non? Je ne pense pas que les mineurs aimaient faire de la déco, non. Non, c'est... Oh putain! Tu vas bien? Oui. Loin. Ouais, je pense pas que cet endroit soit aux normes. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. La vache, cet endroit est une vieille urine à retaper. Enfin, une petite lueur d'espoir. Oh. Ah, je sais bien. Il y a un petit truc, c'est quoi ici? Totem de perte. Jouer les événements du passé. Quelques temps plus tard, des prospecteurs jusqu'à ce qu'un éboulement coince et ils perdirent la tête. Meurtrier. L'une et plusieurs traques. Un télescope? Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cape. Waouh. Ça va? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Ok. Voyons ça. T'as bu trop de lait de poule ou quoi? Y'a que nous par ici. Ouais, t'as raison. Crois que t'as quelque chose sur la figure? Oh! Boum! Ok. Bon, si c'est ça que tu veux! Jess? Je suis sûr qu'elle se cache. Samy! Quoi? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît? En fait, j'entrais justement dans mon bain. Oh! Bah, surtout, hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle! C'est pas vrai. D'accord, Josh, voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Wow. C'était quoi ça? Ah, maintenant la porte est ouverte. Allez. C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Je te dis que si, mec. On le faisait tout le temps. Enfin, moi. Hey, Josh,
On n'a pas d'eau chaude, c'est genre une méga priorité, non? Ouais, je vais allumer la chaudière, elle est au sous-sol. Bon alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris, ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Ouais, si tu veux. Bien, tu le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade? Eh, t'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et H en mission tous les deux? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Vas-y, on va être un peu flatteuse. Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancée. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... d'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Tu sais, Sam... Oui, Josh? Je voulais seulement me dire que... Quoi? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année, et puis que... toi, tu sois là, Sam. Ok, je vais être honnête, c'est... vraiment bizarre d'être venu ici, mais... je pense que ça va tous nous aider à tourner la page. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Hé, hey, regarde où tu marches. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. Désolé de te ramener à la dure réalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais... Ouais, c'est vrai que ça craint par ici. Ouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Ça doit pas être facile de jouer au baseball avec toute cette neige. Mais non, pas en hiver. Non, c'était pas en hiver. On venait là en été et on passait des super moments. Toute la famille était là. Maman, papa, mes sœurs. Il y avait un bon esprit de compétition et on s'affrontait là-bas, sur la pelouse. J'en sais rien. C'est comme ça. Il faut s'y faire. Hein, ça? Bref, je suis supposé réparer ce vieux machin, non? Tiens, tu peux tenir ça? C'était quoi? De quoi tu parles? Éclaire par ici, que je puisse voir ce que je fais. Joli! Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. C'était quoi ça? Ça pourrait être plein de choses et...
pas très sympathique. Ah, arrête. Je fais mon Josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Non, j'ai pas eu peur. Non, bien sûr. T'as seulement sauté pour faire quelques pas d'aérobic. Arrête tes bêtises, ok? J'ai pas sauté du tout. J'ai juste dit, c'était quoi ça? Réaction tout à fait normale quand il y a un bruit super flippant dans un sous-sol super flippant. Mais, attends, t'as entendu comme moi, là? Josh. Quoi? Le rythme est... étrangement régulier. C'est... Non, c'est pas du tout régulier. Peut-être qu'on devrait jeter un œil. Pourquoi? Je sais pas, et si c'était un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière? Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais, d'accord. Okay. Oh putain de merde! Celle-là était bien. Mais pourquoi tu... t'as fait ça? Quoi? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'étais obligé de profiter de la situation. Non mais, tu déconnes là. Et toi, t'étais au courant de tout ça? Non, mais j'aurais aimé. C'était trop fort. Je veux bien admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, j'ai rien dit sur tes blagues. J'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Ah, putain, t'étais terrorisé. Allez, admets-le. Alors là, pas du tout. Mytho, tu t'es complètement pissé. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes? J'ai trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord. Et t'as trouvé le bidule? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi? Non, j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok, alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fou. Ok. Allô, je te parle, Matt. Tu viens avec moi chercher mon sac? Ouais, j'arrive. Jolie bagarre tout à l'heure. Mieux on reste loin de Jessica, et mieux je me porte. Je veux juste que tu te détendes, ok? Que tu t'amuses. Je me détendrai quand tout le monde sera détendu. Mais, merci quand même. Ok. Allez. Petite tête, viens par là. T'essayes de nous trouver un coin plus intime, hein? Bah, viens voir par toi-même. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ça va, je suis revenu. C'est bien. Alors, obéis. Merci de m'aider pour mon sac. Je sais que je suis pas toujours facile à vivre. No problemo, bébé. Mais rappelle-toi bien que je suis plus qu'un porteur de bagages extrêmement sexy, musclé et viril. Tu comptes me le prouver? Toute la journée. Oh, quoi? Toute la journée. Attends, ça veut dire quoi? Bah, toute la journée. Quoi? J'essayais juste d'être sexy.
Regarde un peu la bouche de ce truc. Pas capable de mettre ta main dedans. Vaudrait mieux... la mettre juste ici. Emily! Emily! Je t'ai eu, grosse tâche. Putain, t'es ridicule. Oh, ça va. C'était quoi? Je sais pas, sûrement une bête. J'aime pas ça. Nous y sommes, madame. Merci. Eh ben, très impressionnant. Mais c'est dégueulasse. Bah... c'est quoi, ça? C'est un avertissement? Il n'était pas là avant. C'est un mot? Wow.